Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Evil Within 2, notre aventure horrifique, et nous en sommes à l'épisode 22. Ça fait beaucoup de 2. Comme d'habitude, éteignez les lumières, fermez les volets, mettez un casque ou des écouteurs bien évidemment, prenez une petite collation, c'est toujours bien sympa et on est parti. J'ai souvenir qu'on s'était arrêté dans une merde, mais dans une merde totalement complète, étant donné que la ville était envahie de mecs encore plus chauds que les simples zombies. Ça a totalement réactualisé, entre guillemets, le jeu et la ville, et d'ailleurs le stuff par la même occasion. Et je vous avoue que c'est assez terrible. En plus, dès qu'on sort, c'est la merde. Et dès qu'on rentre, bah finalement c'est la merde, parce que on a une dernière mission qui est proposée par notre ami pour qu'il puisse s'échapper du stem. Et je pense qu'on va la faire maintenant. En tout cas, on va l'essayer. Si ça marche pas, alors, bah, vous verrez cet échec. Je dois reconnaître que j'ai été surpris d'avoir de vos nouvelles. On parlait pas. Je me suis fait discret pour résoudre cette histoire d'issue de secours. Mais j'ai jeté un œil de temps à autre. Tout part en vrille. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Un maniaque essaye de prendre le contrôle d'Union. Vous avez eu raison de rester là-dedans. Vous auriez pu finir écorché vif. Ça me tente pas trop. Je passe mon tour. Le pire, c'est que ce cinglé veut mettre la main sur Lily. Si mon plan fonctionne, vous pourrez la mettre en sécurité dès que vous l'aurez retrouvée. Comment est-ce qu'un type comme vous a pu se retrouver chez Mobius? Un type comme moi? Qu'est-ce que vous entendez par là? Que vous avez une certaine humanité et un minimum de cran. Il semblerait qu'ils aient une préférence pour les opérateurs sans scrupules ou d'une obéissance inconditionnelle. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Vous pensiez que je vous prenais pour qui? Non, rien. Oublions ça. Vous savez, c'est moi qui ai fait la démarche pour les rejoindre. C'était pas facile d'ailleurs. Ils savent couvrir leurs traces. Mais pourquoi vous avez fait ça? C'est juste l'organisation la plus puissante du monde. C'est tentant, non? Et vous ne considérez pas que leurs actes sont criminels? Eh, c'est un crime que si on force les gens. Vous connaissez l'adage. Quis custodiat ipsos custodes. Pas vrai? Bien sûr. Je vous crois sur parole. Ok, bon, pas très intéressante sa conversation à lui. Je pense qu'il est temps, les amis, il est temps de faire cette célèbre quête secondaire. Et elle me fait peur, ça s'appelle la dernière étape. Accéder au département expérimental de la moelle, éliminer les ennemis et remettre le courant. Et c'est pas ici. Bon, on va essayer de finir cette quête secondaire. Par contre, regardez bien, j'ai 5 balles de pistolet, d'accord? Donc jusqu'ici c'est la merde. J'ai dans mon arc pas grand chose, de l'électricité, quelques fumis. J'ai juste de l'électricité et des fumis. J'ai 4 balles de pompe. On peut le dire, je pense que ça y est, on est sur quelque chose de très compliqué. Allez, on va faire un petit tour dans l'atelier. On va essayer de se préparer. Je pense que ça va mal se passer. Si ça m'utilise trop de munitions, on va stopper court à cette mission. Et je vais recharger la partie, parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça, les gars. C'est du gâchis de munitions. C'est parti. Donc on va se fabriquer des munes. Et j'ai 22 putain de poudre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 10 munitions peut-être, histoire de dire. Allez, 5. 5. 2 cartouches de pompe. Allez. Ouais, 2 cartouches de pompe. Voilà. On est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux en refaire une. Ça y est. Et c'est tout. Et c'est tout. Un harpon peut-être. Parce que j'ai plus rien. J'ai juste plus rien. Ça sent pas bon, mon idée. Ça sent clairement pas bon. J'ai quand même envie d'aller voir ce qui se trame. Et puis, peut-être que on peut se débarrasser de la mission sans tuer personne. Juste en courant nos grands morts. On va essayer de favoriser cette option. On sauvegarde une bonne fois pour toutes. Et direction notre mission. La dernière. La dernière des dernières étapes. Pour que Jean-Claude puisse se barrer. Je la sens pas, je la sens pas. Ça me paraît bien trop compliqué, son histoire. Je sais pas du tout comment ça va se passer. On va l'essayer, histoire de voir ce qui nous attend. Au moins on sera fixé. Mettons-nous au travail avant que je change d'avis. Et ça sent, je sais même pas ce qu'il va me donner. Il m'a dit une caisse, ça ne veut rien dire. Une caisse, il m'a dit, les gars. Une putain de caisse, tout ça pour gagner une caisse. La moelle, département expérimental. Ok, ça commence déjà par ça. C'est pas mal, ça me plaît bien. Peut-être qu'on va pouvoir aussi se débarrasser de tous nos ennemis. Oh, 6 poudres à canon. D'accord, une seringue. Ça sera plus pour le retour. Bon, peut-être que c'est les ennemis classiques et non sous le feu. Ça m'arrangerait. Ou alors peut-être qu'il faut battre la tête de Sperm.
celle qui envoie du sperm partout. On va passer par ici. Ok. Ok, déjà. Déjà, j'aime pas ça. C'est juste à côté, par contre. La dernière étape. C'est juste à côté. Ça a l'air abandonné. Rien de rassurant. Je dois simplement m'occuper de ce qui grouille là-dedans et remettre le courant. Ah, d'accord. Donc, je suis obligé de le tuer. Je suis obligé de tuer ce qui grouille là-dedans. Je ne sais pas c'est quoi. Ça risque d'être assez terrible. Ok. Ça, ça va s'ouvrir. Hein. Je vais passer par ici. Oh, c'est quoi? Une hache. Je prends volontiers. Ok. Elle, on va... On va l'égorger calmement. Ok. Elle, c'est fait. C'est qui? Merde, il m'a vu. Attends. On va essayer d'économiser un maximum de munitions. Parce que c'est un petit peu compliqué cette histoire. C'est bon. Ok, j'essaye vraiment de garder un maximum de munitions. Donc dès qu'il y a une hache par terre, je l'utilise, j'en ai rien à foutre. En plus, ça rapporte pas mal de gel. Ici, c'est totalement fermé. Oh, on peut ramasser. Non. D'accord, ça, c'est fait. Le courant s'active ici, juste ici. Donc on va tout visiter, histoire de prendre connaissance de la map. Est-ce qu'on va pouvoir se barrer jusqu'à courir nos grands morts? C'est ça ma question en fait. Ah, lui il peut se relever. Lui il peut se relever je pense. Donc vous savez quoi? Je connais les petits bails. On va passer sur le carreau harponneur. Et puis s'il se relève pas tant pis. Attendez, attendez, attendez. J'ai pas confiance mais... J'ai totalement confiance. J'ai totalement confiance. Dommage qu'on puisse pas récupérer notre carreau harponneur. Ça serait putain de cool. C'était par ici. C'était par ici. J'ai peur. Mais ça va le faire. Je peux courir par là. Je peux tailler mes grands-morts en fait finalement, non? On essaye? On n'a pas le choix. On est parti les gars. Allez. Ok. Donc c'est une sorte d'énigme encore. Ouais. Dur. Dur, dur, dur. Ah. Dur, dur aussi. Yes. Adieu. Et appeler Psyche. Ah. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah! 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 Ok, je ramasse ça. Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est lui. Ok. Voilà. Ah! Ok, c'est pas grave, on se coupe. J'ai envie vraiment de garder le maximum de munitions. Allez. C'est ouf! Oh, meurs! Ça dégage. Ça m'a saoulé. Ok. On va tout prendre, hein. On va tout prendre. Nul à chier cette carabine. Bon, c'est pas fini. C'est pas fini. Il a pas appelé. Il a pas appelé mes couilles là. Une balle de pistolet. J'ai plus rien. J'ai plus rien. On peut repasser par ici. Et on repassera par là. Ok. J'ai plus rien. C'est pas terminé. Hein. C'est pas terminé, c'est sûr. Ok. Ah! Ah oui, mais non! Ça ouvre une nouvelle pièce! C'est bon. Ah si. Je ferais bien d'appeler Sykes. Ok, ça va. La mission était entre guillemets tranquille. J'ai quand même gâché 3 balles de pompe. Merci. Je serais pas parvenu sans vous. Vous êtes sûr que ça va marcher? Non, mais... J'ai pas super envie de rester ici.
Tout est bon à prendre à ce stade. Ok, tout est en place. Quand vous ramènerez Lily, vous trouverez un minuteur ici. Tournez-le d'un quart de tour, puis appuyez sur ce bouton. Ça vous laisse 60 secondes pour monter dans le caisson. Vous devriez pouvoir y tenir tous les deux. Sykes, j'ai comme un mauvais pressentiment. Écoutez, je sais ce que je fais, ok? Vous devriez peut-être remettre ça à plus tard. Aidez-moi à trouver Lily. Et nous trouverons une autre issue. Je suis désolé pour vous. Vraiment. Mais le mieux que je puisse faire pour vous aider, c'est de faire fonctionner ce caisson. Ok. Si vous le dites. Souhaitez-moi bonne chance. D'accord. Mais tu m'offres quoi, là? Mais tu vas mourir! Moi, je veux juste que tu m'offres quelque chose! Merci. Je vous ai laissé quelque chose en guise de remerciement. J'en aurai plus besoin là où je vais. On se retrouve de l'autre côté. Il m'a laissé quoi? Mais il va se transformer. Ok, il a disparu, bah c'est le stem. Il n'est plus là. Je me demande si ça a marché. Mission accomplie, la dernière étape. Bon, je suis rassuré, c'était pas si difficile. Matez-moi tout ça. Sayonara, Sykes. Bah on verra si on le voit de l'autre côté. Bon allez, hey, pour le plaisir d'utiliser un heal, même si on s'en fout, en soi on aura un petit café sûrement qui nous attend. En plus on a un autre heal. Alors, 4 poudres, c'était nul à chier les gars. Par contre, 3 balles de pompe, je récupère finalement. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on va... Ah, je peux pas reload. 60 pièces. C'est surtout ça qui va être très intéressant. Ça sent l'arme. Et c'est un dernier fusil à pompe. Fusil à double canon. 2 fois plus de canon. 2 fois plus de chevrotine. Et 2 fois plus de dégâts. Léger et résistant. Il doit être rechargé plus souvent. Les améliorations de capacité du fusil, je crois, ne sont pas compatibles forcément, vu que c'est un canoncier. Notre très bien. Tentative d'utiliser un caisson du STEM comme issue de secours est officiellement un échec. Malgré un taux de réussite de 25%, il a été décidé d'interrompre les recherches. Un sujet sur 4 est parvenu à quitter le système. Les 3 autres ont tout simplement cessé d'exister. Nous pensons que les 75% restants sont perdus dans un niveau non répertorié du STEM. Un rêve dans un rêve dont il est impossible de revenir. En raison d'un trop grand nombre d'inconnus, l'expérience a été abandonnée. 25% de chances de réussite. C'est trop peu pour que je risque la vie de Lily. J'espère que Sykes a rejoint le monde réel. Il a une chance sur 4 après tout. Ok, c'est comme ça qu'il voit les choses. Ouais, il a aussi 3 chances sur 4 d'être mort, en fait. C'est chiant, quand même. Bon, on est parti, les gars. On se casse. On n'a plus rien à faire ici. On a fait tout ce qu'on avait à faire avec Sykes. On l'a aidé. Il a décidé de partir. Il a tenté sa chance sur 4. On verra à la fin du jeu si on le voit à l'extérieur. J'y crois pas vraiment. Pour moi, il a été inceptionné. Il y avait un autre... voilà, il est là. On va s'en occuper. Hop. Voilà, on va se mettre full life. Comme ça, on économise un café. Bon, il est temps de revenir à la triste réalité, la dure réalité, la merde totale dans laquelle nous étions. C'est parti. C'est par ici. Allez, on est de retour dans la triste réalité. C'est un petit peu terrible. Je pensais qu'il allait réellement me régaler. Et pas du tout. Il m'a un petit peu chié dessus. Mais attends, il a rechargé cette caisse. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok, 50, je prends. Donc là, il y a déjà quelqu'un qui nous entend. Il y a déjà quelqu'un qui nous entend. C'est assez terrible. Je sais pas si je dois utiliser... Bougez pas. Je dois l'utiliser ou pas. Chargeur 2. Mais il est plus puissant. Je pense que je devrais l'utiliser. Ah mais attends. 5 balles. J'avais pas 5 cartouches, moi. J'avais pas 5 cartouches. Ça divise par 2 ton nombre de cartouches. Attends, si je fais ça... 4 plus 3... 7. 7, je passe de 7 à 5 cartouches. Mais plus puissant. Je sais pas quoi penser. On va l'utiliser pour l'instant. Et on verra bien, je sais pas quoi penser. Ah, peut-être une lettre d'adieu. Message de Sykes.
Ce message semble avoir été écrit à la hâte sur un morceau de papier. Merci pour le coup de main, Sébastien. Vous êtes digne de confiance. Je vous souhaite bonne chance. Si vous parvenez à vous en sortir, essayez de me retrouver. Je vous paierai une bière dans le monde réel. Votre pote, Sykes. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, mon pote. Je pense que tu es mort. On va pouvoir save. Ah non, mais j'ai plus que 3 balles maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, parce que j'ai rechargé 2 dans mon ancien fusil à pompe. Ah là là, c'est terrible. Et qu'est-ce que je fais? Allez, c'est bon, j'ai pu revenir à la triste réalité. Ok, donc, les munitions, une fois dans le chargeur d'une arme, on les a perdues. Très bien. C'est bon à noter. Il y a quelqu'un qui m'entend. Ça va être terrible ce qui va se passer. Ça sauvegarde depuis tout à l'heure en haut à droite. Hein. Ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur, les gars. Attendez, j'ai le bug, un bug de save, là, les mecs. C'est terrible. C'est terrible, ça veut pas save. Bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Oh non, c'est chiant. C'est chiant. Oh, stop les bugs. On va essayer de créer un nouvel emplacement. Ça a bugué. Ça a fait totalement planter le jeu. Ça a totalement fait planter le jeu. Ça... Oh là là. Putain. Heureusement, j'ai pas avancé, hein. Je sais pas où ça va me reprendre, cette connerie. Allez. Ok, on est reparti, les gars. J'ai réussi à charger la partie et par chance, ça avait save juste ici. Quand je m'étais trompé en retournant dans la moelle. Bon, on est reparti. Donc, on disait quoi, les gars? On disait quoi? On disait tout simplement que c'est la merde. Là, le monsieur n'a pas encore fait le ménage au lance-flamme. Il est en train de le faire. Il est juste ici. On va essayer de bouger calmement. On sait qu'il est là, donc pas de soucis, pas de panique à bord. Il y a quelques caisses là aussi à ramasser. Là, on va tout ramasser. Hein. Ah bah les gars, j'ai pas d'armes, j'ai rien. Là, je suis... Il y avait un bâtiment ici. J'ai pas souvenir de ça. C'est extraordinaire. J'ai pas du tout souvenir de ça. On va passer par ici, peut-être. Mais c'est un truc de ouf. Ok, dans la voiture. Oh quoi, ils sont 3? Non, mais... Non, mais n'importe quoi. Je suis pas d'accord. Non mais n'importe quoi. Je sais ce comment on va faire. Je sais comment on va procéder. C'est la merde. Voilà. C'est la merde. Ok, c'est lui qui m'a vu. Oh, oh bah je suis cramé. Ok. Normalement il devrait partir. On va essayer d'en arracher un. On rentre, on se cache, on en arrache un, on rentre, on se cache. Allez. Allez, on se casse. On va faire que ça. Voilà, ils peuvent pas rentrer par ici. On va faire que ça. On va faire que ça. C'est pas bien grave. Heureusement qu'il y a la planque à côté. Non mais ils les mettent par 3. Ils les mettent par 3, c'est des malades les mecs, c'est des malades. Ok, allez, 1, c'est fait. Il y a un gros là-haut, oh là là. Allez, on va très, très rapidement. Je vois pas ce que je peux faire, à part lui là. On va essayer de s'occuper de lui. On va essayer de s'occuper de lui calmement. Oh là là, il y a un kamikaze là-haut. Fais pas le con. Fais pas le con. Ok. Et on va s'occuper du dernier. Et on fera le kamikaze juste après. Bon, on doit nettoyer la ville, hein. Ça va nous prendre sûrement un ou deux épisodes. Oh, un petit extincteur, ça je dis pas non. Quoique, regardez. Peut-être les utiliser. Ah non, j'ai plus, putain. C'est vrai que je les avais utilisés précédemment in The Walking Dead. Ok. On va essayer de l'achever lui. Ah, c'est chiant ce qui se passe. Ah, c'est très chiant ce qui se passe. Il va prendre feu, la torche on l'appelle. C'était sûr. Ah. Quoi? Waouh. Ok, on va se cacher. Bon, c'est fait cramer, c'était sûr. C'était sûr. À l'instant où je touchais le gars, j'allais me prendre un petit coup de chauffe. C'est pas grave. Il a déjà tout oublié. Cette porte est magique. Cette porte est incroyable. On l'utilisera bien souvent. Ils perdent la mémoire, les mecs. Ils sont là en mode, mais que se passe-t-il? Je n'ai pas compris.
Ouais, non, mais gros, ça va aussi, Starkey Hutch, frère. Calme-toi. Ok, on va prendre ça. Donc, évidemment... Évidemment que le mec, voilà, il était en feu. Heureusement que je n'ai pas couru après pour essayer de le tuer. C'est compliqué, ça devient chiant. Comment le jeu peut rehausser le niveau de difficulté aussi rapidement? C'est incroyable. Ok. Ouais. Ok, tu prends deux, t'es pas content. C'est compréhensible. On a marre, ça brûle. Allez, ça c'est fait. Ça dégage. Bon, ça c'est fait, les gars. Je tue de la lave. Voilà, ça a toujours été un rêve pour moi de tuer de la lave. Ça a toujours été. Donc là, c'est fait. J'ai accompli un rêve. J'ai accompli bien plus qu'un rêve, finalement. Ok, ici c'est là où on avait trouvé une petite pochette. Là, il y a plein de caisses. Il n'y a personne d'autre que des caisses. Plutôt cool. Bon, allez, les gars, donnez-moi de la poudre, des munitions, plein de trucs. Je veux de la poudre, moi. Moi, c'est il y a que la poudre qui me fait parler, les gars, dans ce jeu. Ok, ça, c'est nul. Ah, quoi? Tout qui part en couille, tout qui part... Tu ignores son appel. Ok. Ok, 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 ok. Donc, ça marche comme ça chez McDonald's. Eh, très bien. Ok, on va récupérer ça. Ça va être la merde. Oh, j'ai peur. Allez, pochette améliorée. Pochette pour fusil d'assaut. Ah, c'est nickel. Hein. Franchement, merci les gars. C'est vrai qu'on aura largement 120 munitions en poche. Hein, sachant que j'en ai 22. Merci de m'offrir autant, autant de plaisir, autant de bonheur. Ok, on a un... Ah! Il est fou! Mec, lâche-moi! Il va pas me lâcher. Je vais aller dans la porte qui oublie tout. La porte des rêves, la porte des sanctuaires perdus et égarés. Il est partout! Ok, là on a rien. Bon, on sait jamais, faut toujours fouiller les intérieurs. Ah, j'ai loupé d'ailleurs le petit extincteur là-haut là. Attendez, on va le prendre parce que ça vaut cher tout ça. J'ai tout loupé d'ailleurs, il y a un truc là-bas aussi qui brille. Ok, c'est bon. On va prendre ça. Une clé, ça c'est bon, ça, carreau harponneur. On va prendre ça, je m'en bats les reins. Il m'a pas vu, de toute façon il est totalement aveugle. Ah! C'est bon, ça c'est fait. Pochette de précision, j'ai tout ce qu'il faut. C'est plutôt cool, on va ramasser ça. Là on a de quoi améliorer pas mal nos armes. Et je crois avoir vu quelque chose qui brille dedans. Pas du tout, pas du tout. Ok, les gars, vous savez quoi maintenant? On va tracer, on améliorera tout un petit peu plus tard. Mais ils sont combien de... C'est insane, c'est insane. Ils sont partout. Il y en a un là, il y en a un derrière. Les gars, oh, abusez pas sur les niveaux de difficulté. Ok, vous voulez jouer à ça? Donc il y en a trois là. Là j'en vois un à droite, voilà, un à gauche. Il y en a trois au minima. Là on va pas fouiller, ça a déjà été fait. On va refouiller vite fait hôtel, mais couilles. Mais mec, vous êtes totalement malade. Y'a que des kamikazes. Y'a que des putains de kamikazes. 1, 2. Non mais. Vous êtes fou. Et je fais quoi là en fait pour passer? J'ai souvenir que j'étais passé en courant. Je suis d'accord. Eux on peut pas les tuer par derrière. Oh, ils sont trois. Mais les gars, mais l'abus, l'abus. Attends, 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 attends. Faut que j'aille par là-bas. Réellement les gars. Forteresse. Traverser les ruines d'Union. C'est compliqué. C'est compliqué, je bégaye. Hop, voilà, ça c'était pour le côté un peu Starkey Hutch. Je vais améliorer mes armes parce que je vais en avoir bien besoin. Et on revient de suite les gars, tout de suite. Allez, je vous ai passé toutes les améliorations inutiles. J'ai amélioré mon pistolet et ma carabine. Voilà, parce qu'elle n'était pas du tout améliorée. Donc normalement... Mais arrête ta comédie, je vois pas ce que je peux faire avec toi. Vas-y, viens frère. Vas-y, viens, 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 avant de parler. Tu prends ta gueule. Ouais, tu nous échapperas pas. Je suis devant toi, trou de balle. Ah.
Non, non, il est bien fou, Triso. Non, c'est une blague. Tu vas où comme ça? Ok, bon, bah, les gars, ok, d'accord. T'as pas dû comprendre les mêmes choses que moi. Bon, les gars, il reste énormément de choses à fouiller, dont les trains. Ici aussi. On a des mecs qui courent un peu partout, là. On va s'en occuper très rapidement. On va essayer de les OS. Ok. Ah ouais, non, mec, abuse pas. Je suis mort. C'est n'importe quoi. Je suis mort. Une balle. Une putain de balle. Oh là là, ils ont les pires trajectoires du staff. Hein. Ça devient chiant. Et là, il va vraiment faire demi-tour. Mais qu'est-ce que c'est que leur chemin? Ah non, ils font tout le tour du bus. Ok. Avant, ils faisaient genre quelque chose, une ligne droite. Maintenant, ils font des chemins, les gars. Une nouvelle, ça vient de sortir à l'instant. J'étais pourtant sûr de m'être débarrassé des trois gars là-bas. Mais apparemment, non. Voilà, ça c'est fait. Ils viennent à l'infini ou quoi, eux, là? Ok, ça me fait de la poudre à canon. Lui, il va venir sur le bus. Ok. Oh, oh, oh. Oh, ça, je prends mon petit père. Ça, je prends mon petit père. Oh, putain. Excuse-moi. Je suis désolé, c'est pas ce que tu crois. Ok. Ok, bougez pas. Mon changement d'arme n'a pas été pris en compte. Voilà, on est mieux. On est mieux, je suis plus rassuré. Ça, c'est fait. Oh putain, j'ai cru qu'il allait se débattre. Bon. Les gars, on se débarrasse d'eux. Écoutez, c'est le seul moyen de se faire de la poudre et plein de bonnes choses. Réellement, là, c'est un épisode qui va être dans le farm. Et pas autrement. Pas le choix, les gars. Parce que vous voyez bien que c'est la merde. C'est la merde partout. Partout. Petite balle de pompe, je dirais pas non, par exemple. Mais eux, apparemment, si. Donc, c'est compliqué. Là, y a rien. Y a rien, encore une fois. On va aller dans les trains, hein. Je m'en bats les couilles, je vais tout fouiller. Je vais tout fouiller dans les trains. Il y avait pas un monsieur lampe torche ici? Ok. Yo. Oh là là, pochette améliorée. Moi je prends, hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Plus personne me fait peur. Hein. Ok, cette balle de pistolet. C'est bon, on commence à se refaire un petit peu. Là c'est le vide, c'est chiant. Ok, on commence à se... On va fouiller les trains, c'est pas mal ça. Hein. Ah bah c'est le bon plan, hein. J'ai récupéré pas mal de balles de pistolet, ça fait plaisir. On va passer par ici aussi. Je crois que j'ai déverrouillé les meilleures armes du jeu, je suis pas sûr, j'ai pas envie de me la péter. On va dire, ouais, mais B-Boy, tu te la pètes. Oh, il y a des armes qui flottent. Des munitions plutôt. C'est du pompe ça. Hein. Ça, c'est du pompe et ça me fait plaisir, mon petit pote. Ok. Attends, parce que c'est chiant. J'ai dit quoi, moi? J'ai dit que ça, c'était là. Voilà, faites un petit effort. Ok, je confirme, j'ai bien les balles de munitions. Je vais pouvoir changer de pompe, faudra juste que j'y pense. En face d'un boss ou une connerie comme ça. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Ça, c'est fait! On continue! On a tout fouillé jusqu'ici. On peut même se débarrasser des derniers gars en feu derrière. Ça peut être pas mal. Ça donne du gel. Tiens, on a quelque chose par ici aussi. Oh, on doit tout refouiller, je suis désolé, mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Ok, attendez. Là, on a quelque chose. Opérateur de Mobius. Et là, on a quelque chose. Poudre à canon. Très, très bien. Ça m'intéresse grandement. Donc, on a un opérateur de Mobius totalement décédé par là. Et on a quelques petites caisses en plus. Oh. Attends. Sébastien, tu ne bug pas. On a déjà eu notre bug de l'épisode. T'as bien vu que c'était très, très chiant. Ok, ça, c'est fait, c'est récup. Ça, c'est fait, c'est récup. L'opérateur de Mobius... C'est fait, c'est du gel et c'est récup. Je vais me faire tacler par derrière. Je vais tomber de la falaise, fin du game. 1500, c'est pas mal par contre. Là tu m'as régalé. Il faut que je reprenne de l'endurance, hein. Vous savez l'endurance qui reprend qui recharge plus vite. On va faire ça. Ok. On est parti, on va où maintenant?
Ok, on va pas là, y a rien. On va pas ici. Ok, on a tout vidé, c'est pas mal. Ah oui, il reste eux. Ah, il reste eux, mais on va pas les faire. Je préfère me taper l'homme lance-flamme. Plus facile à esquiver que eux. Je pense qu'on va aller aux ruines, les gars. On va s'approcher des ruines calmement. Il est où, bordel, là? Il y a un bousin qui m'entend. Il est où? Ok, on a de l'herbe. On a un cadavre qui tend son cul. Et vous savez ce qu'on dit? Hop, qui tend son cul mérite son dû. C'est parti, on prend ça. Voilà. On va prendre tout, on prend toutes les caisses. Hein. Ça régale. Hein. Ça régale, les gars. Moi, je prends volontiers. Là, on a rien. De toute façon, Jean-Claude, il va me cramer. Hein. Crois-moi, il va arriver en balle, personne sera prêt. Là, on a un tas de cadavres. Ça, je prends. Hein. 55, clairement. C'est du bonus. Ok, on avait un petit raccourci ici. C'est pas mal! Regardez, lui, il a l'air totalement triso. Ah, pas si triso que ça. Tu vas brûler. Totalement triso. Attends, on va attendre qu'il passe par ici. Où es-tu passé? Je me suis caché très très vite. Waouh! Heureusement, il y avait ça. Allez! On est parti! On va l'esquiver en rentrant dans la planque très rapidement. J'ai mal prévu ma course. Petit slalom entre voitures. Et on va, je pense, s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé dans cette vidéo. Mis à part que je me suis fait en gel. On va pouvoir augmenter encore sa récupération d'endurance. Mais il s'est rien passé, la petite quête aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour l'épisode suivant. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.